Ah, ben justement. Quel est ton message, ô prophète chauve ? Bien. Il faut donc retrouver le R du Hercule, parce que Hercule sans R, ça fait Q. Et Q, ça fait Q. Bien. Mais où le trouver ? Ô prophète au crâne luisant ! Bien. Scrogneugneux, pas de réponse. Comment allons-nous faire ? Réfléchissons. Ce grand sage de l'ENS pourra nous aider dans cette quête sans queue ni tête. Excusez-moi, vous êtes bien le célèbre Méco Mulet ? Oh. Lui-même en personne. Vous soyez qui ? Nous sommes... Et que me vaudra votre vie, jeunes impédants ? Zinedine Zidane nous est apparu et nous a annoncé que nous devions retrouver. Bon, et donc, nous devons retrouver le R volé du cul pour sauver les inter-ENS. Mais nous ne savons où chercher. Celui qui se lève tard ne voit jamais la tortue se laver les dents le matin. Plaît-il ? Demanda-t-il dans un français impeccable. Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre.
Fêtez comme je vous dis. Suivez l'amour au cœur des ONS et le R vous tombera sur le coin de la fissure. Très bien. Merci, vénérable Mekomelu. Moi, je nage en pleine purée. Eh ben, ouais, figure-toi. J'ai compris plein de trucs. Alors, quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Or, nous devons suivre l'amour. Donc, il nous faut passer par cette fenêtre. Kerlan. Vous là, bonjour. Vous êtes de Kerlan ? Non mais ça va bien d'interrompre les gens en pleine réflexion sur le sujet du bien fondé des antennes. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Alors déjà, on voulait savoir... Mais pourquoi si... vous rentrez votre t-shirt dans votre kilt ? Quel kilt ? Peu importe. Savez-vous si le R volé du cul se trouve à Kerlan ? Alors le R, non. Mais des verres, oui ! Mais dites-moi, vous ne buvez pas d'alcool quand même ? Bien sûr que non, très cher. Car, comme vous savez... 3, 4... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et donc à consommer avec modération. Et donc le R ? Pas vu depuis au moins l'âge de la sobriété. Désolé. Mais... Attendez! Attendez une petite minute! Je sais où on doit aller! On parle toujours. En fait, non! Ça n'y a rien comprendre. On ne devrait pourtant pas être loin de l'ENS de Cachan. Ouais, mais ils ont pas déménagé dans un bled nommé Saripaquet ? Ah mais si, enfin... Non, enfin... Je sais pas. Ouais. De toute façon, même les Cachanais, ils le savent pas. Eh hey, mais, regarde. Hey, salut! Je vois que t'es de l'ENS de Shankar. Ouais, en effet. Et du coup, on est bien à Cachan, là? Bah, j'en sais rien.
Je me suis trompé d'arrêt au RER B. Ça fait 3 mois que j'attends la prochaine rame. Ouais, ouais, désolé mon petit père là, mais on a la recherche du R volé du cul et on veut savoir si c'est vous qui l'avez. Quoi? Mais pourquoi toujours les cachanelles et les coupables? Qu'est-ce qu'on vous a fait d'abord? Oh, tu parles mieux, ok? On a fait des intercuts de folie l'an dernier, va falloir nous respecter un moment. Ouais, c'était de la balle. Mais tu vas blesser d'un ton, ok? Ok. Vous me faites pitié. Sachez que les pisans ont des infos sur les airs volés du cul. Ok, merci. On va jamais retrouver le herbolé du cul. On est perdu, on est foutu, les inters sont foutus, on va tous mourir. On est vraiment pas digne de la quête que nous a confiée Zidou. Écoute, on va pas couper les poux en quatre. Soyons efficaces et solides comme notre défense au rugby et trouvons Piz. Ils doivent avoir des infos. Eh, salut! On a perdu un truc super important et on avance plus du tout dans notre quest. Est-ce que vous pourriez nous indiquer la Squala Normale Superiore? Attends, t'as vu comment ils sont penchés? Je suis sûr qu'on est à Pise. Enfin, une bonne nouvelle. Enfin, quoique, on n'est pas beaucoup plus avancé, je parle pas pisan, moi. Ouais, j'avoue. Attends, je recommence. C'est de la discrimination envers les gens penchés. Vous faites chou blanc à cause du chou rave. Mais ça n'a aucun sens. Attends, chou rave, c'est la personnage humide de la Corée 2017. C'est sans doute elle qui a chou rave le R. Attention. Allez, allez, zébardi. Oh mais... Ah, ça a coupé! Bah c'est bien Léo! Super pour l'appareil photo! Génial! Bah merci hein! Il est foutu, c'est pas grave! T'es vraiment qu'un sale petit... On est où là? Il y a un truc là. Il y a quelqu'un? Professeur Chouard, en fait, on vous cherchait. Et... Bonjour, vous venez pour que je vous enseigne les arcanes de la culture des poireaux? En fait, on se demandait si vous aviez pas chouravé le air volé du cul. Moi? Chouravé le air volé du cul? Vous ne manquez pas d'air, dis donc. Non mais sérieux, si vous m'aviez demandé la sanction pour un caca dans la cour, j'aurais pu répondre. Mais là... Est-ce que vous croyez à la poire au Nancy? Plaît-il? Vous savez, les poireaux sont des êtres sensibles. Ils me parlent. Il suffit de tendre l'oreille pour...
pour connaître tous les secrets dont ils sont... Mais que devons-nous faire, ô esprit des poireaux? Allez, mettez des îles de gosse et lâchez-nous la grappe. Mais quoi? Ça sert à rien. Tu crois vraiment que l'esprit des poireaux essaie de nous aider avec ces films pour enfants, là? Il y a forcément un message caché. Mais oui, tu sais, ces films, ils finissent toujours avec un rassemblement nié sur la force de la solidarité, de l'amour, des suicides. Ouais, mais bon, c'est beaucoup trop cliché, on va pas réussir à faire ça, nous. Un seul moyen de le savoir. On a retrouvé le air volé du cul. Cool. J'ai maintenant compris le but de cette quête. Peu importe les obstacles, la distance qui nous sépare de nos objectifs. Ouais, trop cool. Ouais, peu importe. Tout est rentré dans l'ordre. Vous allez bel et bien pouvoir organiser les inter-ENS, les gars. Ah yes, mortel. Cool. Les intérêts. Les intérêts quoi? Set the world aflame. Can light it up. Are you ready? Life just ain't the same. Without the heat, get you out of both feet. Got to hold it down. Gonna need a rescue. Oh, please, and thank you. Turn that ladder. Mais quoi? Oh, je l'ai pas eu! C'était incroyable! Allez, on va y arriver, on va y arriver!